Gloire à Dieu. Il y a de la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On va regarder un témoignage d'une guérison. Nous croyons que le Seigneur est encore capable de manifester sa bonté en guérissant, surtout en sauvant, en délivrant. Alléluia. Qu'on soit âgé, moins âgé, qu'on soit tout jeune, le Seigneur a quelque chose à nous donner ce matin. Amen. Et nous, on est venus pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. On ne va pas se priver de célébrer le Dieu de gloire. Alléluia. Merci, notre Père, pour ces moments. Nous les voulons bénis en toi, dans ta glorieuse présence. Tu nous bénis, Seigneur, parce que tu es là. Et c'est là l'essentiel pour chacun de nous. Tu sauras répondre à nos besoins. Mais de notre côté, nous voulons aussi t'offrir un culte en esprit, en vérité. Alléluia. Par le fruit de lèvres qui confesse ton nom. À toi la louange et à toi la gloire, notre cher Sauveur. Amen. Amen. Oui, Dieu m'a guéri. Ça s'est passé un mardi soir. J'étais devant le culte sur Internet et je souffrais d'une migraine, comme d'habitude, une migraine, ça cogne dans la tête. Je souffrais beaucoup. Et je me priais en moi-même et je disais, Seigneur, je ne peux plus de ces migraines. Je souffre tellement. Je dois augmenter mes médicaments de deux comprimés. Je dois passer à trois comprimés. J'en peux plus, je sais plus quoi faire, je sais vraiment plus quoi faire, vers qui me tourner. Je ferme mes yeux et le pasteur dit et répète plusieurs fois, migraine chronique, soyez guérie, migraine chronique, soyez guérie. Et je dis, là, c'est pour moi, cette parole est pour moi, je suis guérie. Et je n'ai plus jamais eu de migraine, plus jamais. Cela faisait 15 ans que je souffrais de migraine. Toutes les semaines, j'avais des migraines. Nuit et jour, pendant la nuit, ça cognait dans la tête. Je sortais plus, j'étais dans le noir tout le temps. J'en pouvais plus. Et je remercie le Seigneur de m'avoir guéri de cette migraine qui n'est plus jamais revenue. Et cela fait un an, et continue encore. J'ai encore eu des petits maux de tête, mais des migraines comme j'avais avant, avec des nausées, j'ai plus jamais eu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue, encore une fois je vous le dis à chaque fois, mais bienvenue dans la maison de notre Dieu. On est venu ce matin pour louer notre Dieu, pour l'adorer. On est aussi venu pour se faire du bien. Pour info, vendredi soir, notre réunion a été merveilleuse. On a eu un bon moment avec ceux qui étaient présents. Si vous n'étiez pas là et que vous voulez savoir comment ça s'est passé, allez voir nos frères et sœurs, vous allez voir, on s'est fait vraiment beaucoup de bien. Et je vous incite vraiment à venir parce qu'on se fait du bien tous ensemble dans la présence de Dieu. Et ce matin, on va encore se faire du bien parce que le Seigneur, il n'est pas avare. Il n'est pas avare dans ses dons, il n'est pas avare dans les richesses qu'il nous distribue. Et ce n'est pas juste le dimanche matin ou que le vendredi soir ou que le mardi. Non, le Seigneur, c'est tous les jours. C'est continuel. Donc, on va se faire du bien ce matin. Et on va prendre un premier chant qui nous dit « Dieu est bon ». La dernière fois, on avait essayé un petit peu. On va faire pareil. Quelque chose qui démarre tout tranquillement, tout doucement. Mais vous allez voir après. On va montrer que Dieu est fort en délivrant notre message. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. En tout temps. Si tu marches
dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit. Ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Pourquoi je peux déclarer, tu veux commencer si tu veux, pourquoi je peux déclarer que Dieu est bon en tout temps? Le chant suivant nous le dit, les océans. Vous savez que c'est un chant que j'aime beaucoup. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça que je peux dire que Dieu est bon. C'est pour ça que je peux le déclarer ce matin. C'est pour ça que je veux faire louer, je veux louer, adorer mon Dieu. Je veux que vous puissiez aussi le faire. La peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrassée. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Sur ma vie se briser, le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Les océans peuvent
yeux sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. De mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Pâturage ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Gloire à Dieu. Voilà, on va réfléchir ensemble sur des personnes de caractère pour Dieu. C'est notre thématique du moment. Nous nous sommes arrêtés sur Othniel, un personnage qui avait la foi, sur qui reposait l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé aussi de Éhoud,
un gaucher, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'appuyait pas sur ses propres forces, ses propres compétences, mais exclusivement sur Dieu. Et Ehud a su faire face au roi Eglon seul et lui a enfoncé l'épée de la parole pour le vaincre. Et maintenant, nous arrivons à un autre épisode du livre des Juges, une autre histoire, et je l'ai intitulée de la manière suivante, « Quand les hommes font défaut ». Il y a un message de Dieu ce matin pour chacun de nous. Alors, je veux croire que le Saint-Esprit va nous parler. Je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu bénisse ces moments. Alors, on va lire ensemble les quatre premiers ou cinq premiers versets du livre des Juges au chapitre 4. Cela va apparaître sur la diapositive. Sinon, vous lisez, bien évidemment, dans vos Bibles. Les enfants d'Israël firent encore, c'est une répétition continuelle, un cycle dans le livre des Juges, c'est plus fort qu'eux. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Ehud fut mort. Et l'Éternel les vendit ou les livra entre les mains de Jabin ou Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Nous allons découvrir dans ce nouvel épisode du livre des Juges trois personnages clés. Déborah, Barak et Jaël. Je vais l'appeler Yaël. Déborah, Barak, Yaël. On va parler tout d'abord de Déborah. Vous vous êtes rendu compte à la lecture de notre texte que Déborah, une femme, est à la tête de la nation. Surprenant, surtout à l'époque, de voir une femme gouverner Israël. Et on va en parler tout à l'heure. Mais faisons connaissance avec elle. Cette femme cumulait trois rôles. Le rôle d'épouse, le rôle de prophétesse et le rôle de juge. Déborah était tout d'abord l'épouse de Lapidote. Un drôle de prénom, Lapidote. D'ailleurs, la Bible n'en parle pas plus. On sait simplement que Lapidote est le mari de Déborah. Donc, Déborah est l'épouse de Lapidote et on ne sait rien de Monsieur Lapidote. Ce qu'on sait, c'est que cet homme avait un privilège. Vous savez lequel ? Il avait entre ses mains une perle. Déborah, une femme de grande valeur à ses côtés. En était-il conscient ? La Bible fait silence sur ce sujet. Mais cela m'amène à dire que j'ai rencontré tellement d'hommes qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas pris vraiment conscience qu'ils avaient des perles entre leurs mains. Et je vois les femmes me faire un sourire radieux. Quand pour la dernière fois tu as dit que ta femme avait de la valeur ? Je pense que le couple de Lapidote et de Déborah était un couple qui fonctionnait bien, d'autant plus que le nom de Lapidote signifie torche ou lampe, ce qui, quelque part, nous indique que cet homme diffusait une lumière dans sa maison, dans son foyer, dans sa vie professionnelle. Et notre prière
pour l'Église d'aujourd'hui doit être certainement celle-ci, Seigneur, qu'il y ait des couples comme celui de Déborah et Lapidote au sein de la maison de Dieu. C'est-à-dire des couples qui fonctionnent bien. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire ensemble. Ce ne sont pas souvent les gigantesques démons comme l'adultère qui conduisent des couples à l'échec, mais les petits renards, comme les mauvaises habitudes ou les mauvaises priorités. C'est le cas pour au moins 80% des séparations. Il s'agit de négligence progressive. Ils ne prennent plus soin de leur couple, ne règlent plus ensemble les points cruciaux et fixent d'autres priorités. Souvent, la relation n'est pas entretenue et l'amour reste sur sa fin. Maintenant, bonne nouvelle, la prévention est possible si les deux conjoints s'impliquent à nouveau. Quand une profonde amitié, de bonnes expériences communes et une prise de conscience lient deux personnes, les malentendus se dissipent et les conflits ne prennent pas des proportions démesurées. La conclusion, un mariage heureux ne va pas de soi. La communication et un travail persévérant restent nécessaires. Déborah, femme de Lapidote. Premier rôle, un rôle capital. Et puis le deuxième rôle, c'est que la Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Idem pour une prophétesse. Elle parle de la part de Dieu. Et si Déborah était prophétesse, si la Bible en fait mention, si le peuple écoutait les conseils de Déborah et les paroles prophétiques de Déborah, c'est parce que celle-ci avait reçu une véritable onction sur sa vie. On ne peut pas être prophétesse sans avoir l'onction de l'Esprit et la vie qui va avec. C'est-à-dire pas de dysfonctionnement, un bon témoignage, une vraie relation avec Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ma part, pour toutes les sœurs, alléluia, qui, comme Déborah, osent entrer dans la vie de l'Esprit. Et prophétisent, c'est vrai aussi pour les frères, béni soit Dieu. Mais je me souviens du jour où une sœur dans l'église où j'étais tout jeune, à un moment de jeûne, à un moment de jeûne et prière, a pris la parole d'une manière prophétique. Pas d'exaltation, rien de particulier, mais une parole de Dieu qui sortait de ses lèvres. Et elle a dit, voilà, il y a deux jeunes gens dans l'église que Dieu appelle. Il y en a un qui sera loin et l'autre qui sera prêt. Qu'il se prépare. Je ne me souviens plus trop du reste. Mais c'était un appel de Dieu pour deux jeunes gens. Et voilà que mon pasteur, à l'époque, qui était sur l'estrade, autrefois on faisait comme ça, les pasteurs étaient sur l'estrade, avait entendu cette parole prophétique. Et il a réagi à cette parole prophétique. Et savez-vous quoi? Il est descendu de l'estrade et il y avait mon copain côté de moi. Le pasteur s'est mis derrière nous deux, il a imposé les mains et il a dit « Envoie-les, Seigneur ». C'est là que l'appel au ministère a retenti dans mon cœur. Ensuite, les choses ont dû être évidemment confirmées, mais béni soit Dieu, cette parole prophétique a déclenché quelque chose dans notre cœur à tous les deux. Béni soit le Seigneur. Déborah, prophétesse. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il est parlé de Philippe. C'était un privilégié, Philippe, parce que il avait quatre filles, dit la Bible, qui prophétisaient. Pas une, pas deux, pas trois, les quatre. Les quatre prophétisaient. Waouh ! Ça devait être enrichissant dans la communauté à laquelle ils étaient rattachés. Mes frères et sœurs, entrons dans la vie de l'Esprit. Ça commence par la réception du baptême dans le Saint-Esprit, alléluia.
Et Dieu veut l'accorder à chacun qui le demande. Persévérez dans la prière jusqu'à l'obtention de la victoire. Et vous verrez, laissez-vous remplir, alléluia. Dieu va remplir votre vase jusqu'au débordement et ça va sortir, ça va s'extérioriser, se concrétiser par ce que la Bible appelle le parler en langue, une langue que vous n'avez jamais apprise. Au début, ce sont quelques balbutiements, mais vous verrez, ça va s'affermir, se consolider en vous et ça va vous édifier et vous faire entrer dans une vie encore au-dessus, alléluia, par la grâce de Dieu. Vous savez que la Bible dit, dans les derniers jours, et nous y sommes, « Je répandrai, dit Dieu, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Dans le chapitre 4 des Juges, on a au moins une prophétie, il y en a plusieurs, mais je veux citer celle-ci de Déborah, une parole qu'elle a délivrée. On va le lire ensemble, verset 6. « Elle envoya appeler Barak. » La situation est catastrophique. « Jabin triomphe avec ses 900 chars et tient assujetti le peuple d'Israël. » Et donc, Déborah, la juge, celle qui est à la tête de la nation, va aller appeler un homme, Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? Elle prophétise. Elle parle de la part de Dieu, elle délivre une parole prophétique. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor. C'est vraiment une parole de connaissance. Prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Gloire à Dieu, c'est bienfaisant d'entendre une parole de délivrance, une parole prophétique. Dieu est en train de parler à travers cette femme en disant, « Voilà, toi, là, toi, Barak, tu vas être le libérateur. Voilà comment tu vas faire. Et je le déclare, Dieu va livrer les ennemis entre tes mains. Merci Seigneur. » Une parole de délivrance. Déborah était l'épouse de Lapidote. Déborah était prophétesse. Et Déborah, elle en cumulait des choses. Elle était juge, c'est-à-dire chef du peuple. À tel point que l'Écriture nous dit que le peuple venait la consulter pour régler les litiges. Donc, cette femme avait une position élevée, une position d'autorité en Israël. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'elle ne se servait pas de sa position d'autorité pour malmener le peuple, ni le dominer. Cette femme avait des traits de caractère empreints de noblesse. Et on le découvre quand on lit tout le chapitre 4. Par exemple, elle n'a pas cherché sa propre gloire. On l'a lu tout à l'heure au chapitre 4, verset 6. Elle n'a pas cherché sa gloire personnelle. Elle aurait pu conduire les armées d'Israël. Elle était juge. Et comme les autres juges, Othniel ou d'autres encore, Samson, elle aurait pu conduire le peuple à la victoire, mais elle s'est effacée. Elle a préféré que ce soit un homme, Barak, qui se lève et qui remporte la victoire. Donc elle préfère s'effacer. Il y a là de l'humilité, beaucoup d'humilité chez cette sœur. Et puis elle est bienveillante. Au chapitre 5, verset 7, on va le lire ensemble, dans le cantique de Déborah, elle dit « Je me suis levée comme une mère en Israël. » Je me suis levée, non pas comme une dominante, mais elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Béni soit Dieu. Et j'aime à dire que non seulement dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des pères, et on bénit Dieu pour les pères dans l'Église. Et je ne parle pas ici précisément des papas qui ont des enfants, mais je veux ici parler des pères spirituels. Des pères. Et certainement que peut-être vous qui êtes plus jeune ou qui commencez dans la foi, vous avez déjà trouvé votre père dans l'Église. Quelqu'un qui, ben,
vous conseille, quelqu'un qui vous aide, qui prie pour vous, qui vous accompagne. Des pères. Je bénis Dieu de ce que j'ai trouvé des pères dans l'Église. Des pères. Mais il y a aussi des mères. À l'image de Déborah, je me suis levé comme une mère, alléluia, pleine de tendresse, accueillante, persévérante, une mère qui prend soin de ses enfants. Il y a des mères dans l'Église de Jésus, des pères et des mères, et c'est pourquoi il est important d'être rattaché à une assemblée locale. On a besoin de pères, on a besoin de mères, on a besoin d'une structure appelée l'Église qui est le projet de Dieu pour ses enfants, béni soit Dieu. Déborah est humble, bien qu'élevée en position. Elle est bienveillante et elle exerçait une bonne influence. C'est important d'exercer une bonne influence, une influence inspirée. Et au verset 14 du chapitre 4, nous lisons « Déborah dit à Barak ». Alors, qu'est-ce qui se passe? L'armée de Sisera, le chef de l'armée ennemie, est présente dans la vallée. Et l'armée de Barak est là aussi. Un combat va avoir lieu, mais Barak, et on va parler des hommes tout à l'heure, était hésitant. Face à ces 900 chars devant lui, il se disait « mais j'y arriverai pas ». Et là, encore une fois, Déborah va l'influencer en l'encourageant et en délivrant une autre parole de Dieu. Déborah dit à Barak, verset 14, « Lève-toi, voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi ? Gloire à Dieu. » Quelle belle influence. Et à cause de cette parole, Sisera va livrer le combat. Si Déborah n'avait pas été là pour exercer cette influence et pour délivrer ses paroles prophétiques, eh bien Barak serait resté dans timoré, hésitant, et sans doute ne serait-il pas entré dans le combat. Et savez-vous quoi? Le mot Déborah signifie abeille. Les abeilles, ce sont des besogneuses. Elles sont capables de faire plein de choses. Elles travaillent. Et j'ai l'impression que Déborah, c'est comme un couteau suisse. Elle règle les litiges, elle prophétise, elle dirige le peuple, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de sa vie de famille. Mais c'est ça les sœurs. Elles n'ont jamais fini leur journée. Il y a une machine à faire tourner, il y a du repassage encore à faire, il faut sécher le linge, il faut aller chercher le petit, il faut mouliner les légumes du deuxième, il faut préparer le repas pour la famille, il faut aider l'ado pour ses leçons, il faut faire les comptes de la maison, il y a le travail à l'extérieur, il y a la participation à la rencontre, il y a la participation à Cité Libre, et puis il y a les réunions de prière, et puis il y a le culte, et puis voilà mes sœurs. Ce sont des réalités. Vous êtes des abeilles. Vous êtes des abeilles besogneuses faisant tellement de choses. Déborah. Maintenant, parlons de Barak. Et la question se pose, je ne l'ai pas posée au tout début, mais je la pose maintenant. Comment se fait-il que Déborah soit à la tête de la nation? Vous me suivez? Alors, pour l'époque, ce n'était pas envisageable qu'une femme soit à la tête de la nation d'Israël. À l'époque, ce n'était pas envisageable. Ce qui veut dire que ça traduit quelque part un malaise. Alors, posons-nous la question, est-ce que Déborah était une militante féministe avant l'heure? Est-elle arrivée à cette position d'autorité pour assouvir une ambition orgueilleuse et malsaine? Bien sûr que non. Le problème, en réalité, c'est que les hommes ne tenaient plus leur place. On l'a lu tout à l'heure, au chapitre 4, verset 6. Alors qu'elle aurait pu conduire les armées de l'Éternel, en tant que juge, elle s'est effacée et elle a sollicité un homme, Barak, qui aurait dû se lever bien avant. Mais elle s'efface et elle dit « Prends ta place, c'est à toi de le faire, c'est pas à moi, c'est à toi de le faire. Alors réagis, fais quelque chose contre les armées de Jabin.
Il faut que tu te lèves et il faut que tu mènes le combat pour nous délivrer du joug de l'adversaire. Et figurez-vous que lorsque Déborah appelle Barak, voici la réponse de Barak au verset 8. Vous voyez un petit peu le niveau. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, ah non, j'irai pas. » Il y a un problème en Israël. Il y a un problème. Et même que le tableau est brossé rapidement par ces quelques versets, au chapitre 5, verset 7, les chefs, dans le cantique de Déborah, les chefs étaient sans force en Israël quand, ou on pourrait dire alors, je me suis levé. Moi, Déborah. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, les hommes avaient abdiqué. Ils avaient démissionné, capitulé, comme si l'autorité qu'ils détenaient de Dieu n'existait plus. Les chefs étaient sans force. L'homme est appelé à être un chef, selon l'Écriture, non pas un dominant, mais un chef, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant, qui montre l'exemple et qui donne l'impulsion. Un chef de famille, une colonne dans l'Église de Jésus, un chef spirituel dans la maison, dans l'Église, un mari solide, un père responsable et conséquent, un chef. Mais à cette époque-là, il n'y avait plus de chef, puisque la Bible dit « les chefs étaient sans force ». Un ramollissement, quelque chose d'étrange qui s'était passé en Israël et qui finalement traduisait un profond malaise. Et peut-être que toi, tu sens quelque part que dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer, peut-être même dans ton église, il y a quand même malaise. Voyez ? Peut-être quand même malaise, parce que l'homme qui doit être le chef ne l'est pas. Alors je voudrais vous lire une remarque qu'a faite une fois une sœur dans un ouvrage. J'ai remarqué que la majorité des femmes désirent que leur mari devienne le guide spirituel de leur foyer. Ce n'est pas une sorte de dictateur, mais un guide doux, aimant et sage. Quand un mari devient leader à l'imitation du Seigneur, le cœur de son épouse se sent assez protégé pour le suivre et l'écouter. Alors que la nourriture du mari est la parole de Dieu et qu'il est résolu à suivre et servir Dieu, quand son épouse le regarde, elle a plus que jamais envie de suivre Jésus. Et on comprend cette détermination, cet engagement et cette prise de position de Josué. Il y a des moments où il faut mettre notre moi sur la croix, j'ai envie de dire tout le temps, mais il y a des moments où le moi doit se prononcer. Et lui va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là, il se met en avant, là, quelque part, pour le coup, non pas d'une manière orgueilleuse, mais il déclare publiquement, devant le Seigneur, devant le peuple, devant sa femme, devant ses enfants, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà un chef. Un chef qui n'est pas sans force, mais qui a la force de Dieu. Et puissent tous les frères ici présents prendre ce même engagement, si ce n'est déjà fait, moi, mon épouse là, moi, mes enfants, sachez-le, moi, mon pasteur, sache-le, moi, Église de Jésus-Christ à laquelle je suis rattaché, sache-le aussi, je servirai l'Éternel, je serai consacré à l'Éternel, j'appartiendrai à mon Jésus et je ferai autant que faire se peut, dans les limites qui sont les miennes, la volonté de Dieu avant toute chose, béni soit Dieu. Il est écrit au chapitre 5, et c'est la conclusion de la situation qui existait à l'époque de Déborah, chapitre 5, verset 8, « Israël avait choisi de nouveaux dieux. » Alors, ou en conséquence de quoi, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers
en Israël. Israël avait choisi de nouveaux dieux. Vous savez quoi ? Il y a des nouveaux dieux aujourd'hui dans notre société. Combien de fois j'ai entendu parler d'hommes qui, après le travail, entraient à la maison, la femme s'affairait à toutes sortes de choses, et monsieur monte à l'étage, ouvre l'ordi, prend les manettes et commence à jouer une heure, deux heures. Les nouveaux dieux, où les centres d'intérêt du royaume de Dieu sont éclipsés. Les nouveaux dieux de notre génération moderne. Les nouveaux dieux, les nouveaux hobbies en quelque sorte, des hommes, à tel point qu'on a parlé même, selon les sociologues, d'adolescents. Des adultes qui sont encore restés adolescents. Les adolescents, c'est nouveau ça finalement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de nouveaux dieux. Et au lieu que ce soit Jésus-Christ qui réellement règne dans leur cœur, c'est d'autres dieux qui règnent. Et vous savez quoi ? La conséquence est redoutable. Comme le texte l'indique, alors, ou en conséquence de quoi, la guerre est aux portes. Eh bien oui, s'il y a d'autres dieux qui sont servis, la guerre est aux portes. C'est-à-dire que le foyer est en danger. Le diable est là, il va mener la guerre, lui. Les enfants sont en danger, le témoignage est en danger, le péché va bientôt entrer dans la maison puisqu'il y a de nouveaux dieux. Et alors, il est écrit plus de boucliers, plus de lances chez 40 milliers. Autrement dit, la plupart des hommes ne sont plus armés. Vous savez quoi ? La Bible lance un appel. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est écrit « Dieu cherche un homme ». Dieu cherche un homme. Même que Goliath a dit « Y a-t-il un homme qui descende contre moi ? Y a-t-il un homme ?» Et le diable, il met au défi finalement en disant « Mais non, il n'y en a pas d'homme. Il n'y a pas des hommes capables de mener le combat contre moi. Aucun. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, en Israël, effectivement, c'était la débandade. Il fallait la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir encore aujourd'hui. Et je veux, frère, m'adresser à vous, je veux vous bénir. Je voudrais tellement, et il y en a au milieu de nous, gloire à Dieu, qui sont des chefs. Je voudrais tellement que vous soyez des chefs selon Dieu. Des chefs. Qui ont de la force. Celle du Seigneur, que vous soyez des maris à la hauteur, des papas à la hauteur et des colonnes dans la maison de Dieu. C'est à vous d'être des colonnes. Merci Seigneur pour nos sœurs. Et je peux vous dire, entre parenthèses, je l'ouvre et je vais vite la refermer, que si dans nos églises ADD, nos sœurs n'étaient pas là parfois pour tenir la maison, on serait mal. Je vous le dis clairement, par expérience. Et je me souviens quand j'étais jeune pasteur, j'étais accompagné par deux frères, pasteurs, et je disais au deuxième frère, qui avait à peu près le même nom que moi, ça finissait par Eck. Je lui dis, mais Daniel, il s'appelait Daniel aussi, il y en a des Daniel partout. Et je lui disais, mais Daniel, moi qui commençais dans le ministère, mais c'est curieux, Daniel, tu ne trouves pas, tu ne chantes pas les hommes dans notre église. Et ça remonte à quelques années, maintenant, parce que j'ai pris un peu d'âge. Je ne chante pas les hommes. Et moi, vous voyez, je prenais conscience. En fait, quand je n'étais pas dans le ministère, je ne prenais pas conscience de ça. Vous voyez, les choses tournaient, bon. Mais quand je suis entré dans le ministère, après, vous êtes face à des réalités, quoi. Et là, je fais cette réflexion aux frères. Je dis, mais tu ne trouves pas que les frères, ils ne sont pas là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui disais, mais quand tu écoutes une réunion de prière, c'est que les sœurs. Elles prophétisent, elles élèvent la voix, elles proclament, elles combattent, elles en veulent. Mais les frères sont où? Et il me dit, oui, tu as raison. Waouh! Waouh! Serions-nous dans l'époque de Déborah aujourd'hui?
je vous interpelle. Je vous interpelle. Je ne veux pas être négatif. Mais c'est un appel que je lance aujourd'hui en nous appuyant sur la parole de Dieu. Les uns et les autres, je veux vous encourager. Vous êtes des chefs. Dieu veut que vous soyez des chefs. Alléluia. Des chefs à tous égards. Et puis, il y a Yaël. Ah, Yaël. Le troisième personnage du texte des Juges au chapitre 4. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, la bataille a eu lieu. Barak contre Sisera, le chef de l'armée ennemie, le chef de l'armée cananéenne. La victoire a été remportée, béni soit Dieu. Et puis, c'est la débandade dans l'armée ennemie, alléluia. Et Sisera, le chef de l'armée, va faire quelque chose. Il est encore en vie et il va essayer de s'enfuir, de se réfugier quelque part. Et on va le lire. Alors là, on est dans le livre des Juges, vous allez voir. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber. Ce n'est pas normal. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas normal qu'il y ait paix entre le Kénien, là, et la maison de Jabin. Bon, verset 18. « Yaël sortit au devant de Sisera. » Donc Yaël, c'est une femme. Elle lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Elle lui dit « Donne-moi, il lui dit, pardon, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Elle lui dit encore, il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu répondras « Non !» Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement. Ah, les jeunes vont dire « C'est gore !» Et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. Et personne ne dit « Amen, je comprends, je comprends. » Donc, on l'a évoqué, il y a un problème dans le foyer de Yaël. Parce que son mari, qui s'appelle Héber, il a fait un pacte avec l'ennemi. C'est ce qui est écrit. Hein. Il a pactisé avec Jabin, qui est le roi cananéen. Pour avoir la paix, il a fait la paix avec l'ennemi. Et voyez-vous, parfois, dans nos familles, dans nos foyers, pour avoir la paix, on use de compromis. Alors, vous avez votre petite adote, là, le soir, qui est avec son téléphone portable dans sa poche. Et puis, c'est l'heure d'aller se coucher. « Maman, maman, j'ai envie d'avoir mon téléphone portable. Je veux l'avoir, je veux l'avoir. Maman, maman, non, 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 je veux que tu dormes. Je ne veux pas que tu aies ton téléphone portable allumé toute la nuit. Non, 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 tu me donnes ton portable. » Mais voilà. Et puis, ça dure une fois, deux fois, trois fois. Puis, à la longue, la petite, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et pour avoir la paix, vous cédez. Et pendant ce temps, l'adolescent ne dort plus parce que elle ou il sont en train de regarder leur téléphone toute la nuit. D'autres fois, « Oh, maman, maman, je veux aller chez ma copine dormir. » Oh, bon, écoute, oui, oh, tu te dis, wow, je vais être un petit peu tranquille là. Ouh, j'ai tellement de choses à faire. Bon, mais tu ne sais pas chez qui ta fille va dormir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle va voir, ce qu'elle va entendre et peut-être ce qu'elle va faire. Donc, il faut se renseigner. Et voyez-vous, attention à la maison du compromis. Pourquoi ? Parce que quand il y a du compromis dans nos maisons, Sisera, là, le chef de l'armée cananéenne, va vouloir s'y réfugier. Et il va entrer dans la maison. Et il va te dire « J'ai soif, mais mes amis
nous n'allons pas lui donner de l'eau pour satisfaire son besoin à Sisera de pourrir l'atmosphère de nos maisons, de nos familles et de notre église. Et vous savez quoi ? Vous savez ce qu'on va faire ? Quand Sisera entre chez nous, vous savez ce qu'il faut faire ? On va prendre le pieu, on va prendre le marteau et on va lui enfoncer le pieu dans la tempe et on va lui dire « Toi, tu dégages. Tu dégages. Nous allons te vaincre au nom de Jésus. » C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est gore, oui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut être radical. Je ne parle pas de légalisme, de religiosité, de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais je parle de choses quand même dont il faut prendre conscience. Et là, il y a besoin d'une forme de radicalité. C'est-à-dire, toi là, tu es là dans ma maison, Sisera, et tu mets le bazar en réalité. Alors, je vais te vaincre. Alléluia ! Je vais te vaincre pour qu'il y ait la paix dans notre maison et que ça fonctionne, ce soit huilé dans le couple, ce soit huilé pour autant que ce soit possible avec les enfants. Je veux ta grâce, Seigneur, et je ne veux pas de Sisera à la maison au nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il des Déborahs dans l'église qui veulent se lever pour être comme des mères ? Y a-t-il des Baraques qui prennent conscience, là, ce matin, que quelque part, ils sont dans l'hésitation, ils sont un peu timorés, ils manquent de force en tant que chef, et ces Baraques, oui, gloire à Dieu, vont livrer le combat. Ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont se lever, alléluia, au nom du Seigneur. Et y a-t-il des Yaël qui veulent relever le niveau de la maison en disant « maintenant, ça suffit ». Plus de compromis comme ça, ça suffit. On joue trop avec Sisera, on joue trop avec l'ennemi. Il faut que ce soit Jésus qui règne littéralement dans notre maison. Alors nous allons vaincre ce Sisera au nom du Seigneur. Alléluia, on se recueille ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et oui, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous prions pour qu'une génération de Déborahs se lève, de bonnes épouses, des prophétesses, des femmes qui ont de l'envergure pour toi, pour les choses de Dieu, qui ont du caractère pour les choses de Dieu. On te bénit pour tous les Déborahs de toutes les générations qui ont fait l'œuvre de Dieu avec la noblesse d'esprit de Déborah. L'humilité, la sagesse, l'onction. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les Baraques. Parfois, je suis comme un Baraque, je le reconnais, je te demande pardon, Seigneur. Sans doute y a-t-il au milieu de nous des hommes aussi, des frères, qui peuvent s'identifier à Baraque. Mais nous croyons que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Et cette influence est bonne et elle nous dit « Lève-toi, prends tes responsabilités, deviens le chef spirituel de ta famille, de ton foyer. Sois un mari plus conséquent, un papa plus conséquent. Deviens une colonne dans la maison de Dieu. Oui Seigneur, nous faisons ce choix, comme Josué, de te servir, nous et notre maison. » Nous choisissons de te mettre en premier et que dans notre maison, ce soit comme une petite église où nous adorons, nous lisons la Bible, nous parlons des choses d'en haut, nous aimons ta présence, nous bénissons Jésus. Alléluia. Seigneur, donne ta grâce à chacun de mes frères au nom de Jésus. Et s'il y a du compromis dans les maisons à l'image de Yaël, oui, au nom de Jésus. Nous bannissons ce compromis, nous le mettons à mort, alléluia, et nous triomphons pour donner gloire à Dieu. Donne-nous la sagesse d'en haut, la révélation d'en haut, Seigneur, pour que nous te soyons agréables. Nous ne voulons pas, comme Israël à l'époque de Déborah, faire encore ce qui déplaît à l'Éternel, par notre comportement, par nos colères,
par nos propos, par nos attitudes, nos réactions. Non, Seigneur, nous ne voulons pas faire encore ce qui te déplaît, mais nous voulons chercher à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors viens nous transformer, viens mettre quelque chose de nouveau dans notre cœur, viens nous renouveler dans l'onction, Seigneur, viens déverser ton esprit dans notre vie. Alléluia. Donne-nous de la hardiesse pour toi, donne-nous d'avoir du caractère pour les choses de Dieu. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire, notre cher Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous propose de continuer ces moments par un temps de louange, vraiment, pour nous préparer aussi au repas du Seigneur. Mais là, d'abord, vraiment prendre ce temps où on veut pouvoir vraiment se mettre devant le Seigneur et réaliser effectivement la marche de progression. Notre marche de progression, elle n'est pas la même chacun d'entre nous, mais on sait qu'on a tous à progresser. Je voudrais vraiment qu'on puisse ce matin se placer devant le Seigneur et réaliser à quel point justement le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Et dans son immensité, le Seigneur veut nous faire grandir. Il n'a pas besoin de nous et pourtant il veut quand même nous utiliser. Et donc c'est pour moi encore une façon de le reconnaître comme mon sauveur et le remercier. Quand je sonde les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur. Roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es. Roi majestueux,
chantons Alléluia. Si loin de ta présence, ô Éternel, mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie, tu es venu tel un père. Et mon âme loue ton nom.
tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Mon cœur chante. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Ô mon Dieu, car tu es le plus beau. Car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Car tu es le plus beau de tous les fils. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, ô mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, ô mon Dieu. Amen. Pendant que ceux qui ont été désignés vont s'approcher pour qu'on puisse préparer le repas du Seigneur, on va prendre ce chant qui nous dit merci pour la croix. Je vous rappelle aussi que le temps de la distribution, vous pouvez rester assis. Une fois que vous aurez récupéré les éléments, si vous voulez vous lever, il n'y a pas de souci, mais juste le temps de la distribution pour faciliter le passage de ceux qui ont été désignés. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés. Ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai.
C'est vrai, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es, Seigneur, et ce matin. C'est vrai que nous sommes venus tout d'abord pour te louer, pour t'adorer, te dire merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es, Seigneur Jésus. C'est notre désir le plus important, Seigneur, c'est de te louer, t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Mais Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur, que ce matin, tu nous as encore parlé. Tu as encore cherché à nous édifier, à nous faire grandir, Seigneur. Alors, je te remercie pour ce que tu fais. Merci parce que tes moyens, Seigneur, sont incompréhensibles, Seigneur. Mais toi, Seigneur, ton but, tu le connais, Seigneur, il est le même, c'est Seigneur, la survie, Seigneur, mon âme qui soit pour toi, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Merci parce que ce temps, Seigneur, nous a fait du bien, Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous fait du bien. Alors, sois loué, sois béni, mon Père. Merci pour toutes tes bénédictions, mon Jésus. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne un chant qui nous dit, nous voulons voir Jésus élevé dans ce pays, comme un étendard. Vous savez, ceux qui partaient à la guerre, il y a longtemps, ils avaient toujours quelqu'un devant qui était finalement le plus courageux. C'est celui qui mettait l'étendard pour dire de quelle contrée, quel pays, quelle armée ils étaient. Il était devant. Donc effectivement, Jésus, c'est un chef. Il est devant nous et nous, on le suit. Et c'est ce qu'on veut être ce matin. On veut suivre notre Jésus, on veut suivre notre étendard. Allez, pour le dernier, levez-vous. Voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. S'écoule la terre. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays.
montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Merci à nos chantres, à nos musiciens. Alléluia. Alors, on va passer maintenant aux annonces. Il y a quand même quelques annonces. D'abord, on vous souhaite la bienvenue. Y a-t-il des personnes qui viennent peut-être pour la première fois au milieu de nous? On vous salue. Soyez vraiment la bienvenue. Soyez les bienvenus là-bas. Alléluia. Oui, soyez bienvenus au milieu de nous. Soyez bénis. Amen. Au fond, là-bas aussi. Alléluia. On vous bénit. Alors, il y a eu Cité Libre hier. Ça a été béni. 41 ou 43 enfants. C'est béni, vraiment, gloire à Dieu, avec plein d'enfants qui venaient pour la première fois ou qui revenaient. Une église aussi qui est venue avec son groupe d'enfants. Voilà, enfin, un des groupes d'enfants. Alors, on est vraiment contents. Ça s'est bien passé. Ceux qui étaient présents ont été réjouis de voir cette belle œuvre. Gloire au Seigneur. Amen. On encourage tous nos bien-aimés. Alors, concernant le plan de la Bible, on va demander à Manon de nous faire une petite piqûre de rappel. Merci. Bonjour à tous. Alors, je viens pour vous parler des plans bibliques. Donc, mon mari vous en avait parlé le mois dernier. Alors, ces plans bibliques, ce sont des plans qui sont sur 3 ans. Alors là, je vois tout de suite des visages paniqués, 3 ans, mais qu'est-ce que je ne me vois pas dans 3 ans? Moi-même, quand mon mari... En fait, comment ça s'est passé? C'est un petit peu relié un peu à la prédication. Mon mari est rentré, on est rentré d'église, et je devais être de service ce dimanche-là, et il m'a dit, ouais, le pasteur, il a parlé d'un plan, c'est un plan biblique sur 3 ans, on lit 2 chapitres par jour, et moi, je vais le faire. Et du coup, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai déjà du mal à lire ma Bible, alors la lire tous les jours pendant 3 ans, ça me semblait insurmontable. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, on va le faire ensemble, ça va être bien, on va pouvoir s'édifier mutuellement, s'encourager. Et j'ai été très étonnée parce que moi, enfin, voilà, j'avais du mal à lire ma Bible. En plus, bah, quand on a du mal à lire sa Bible, souvent c'est comme ça, on ne la lit pas pendant 3-4 jours et après on lit 4-5 chapitres pendant les 2 jours restants de la semaine pour essayer de rattraper le retard. Donc ce n'est pas très équilibré. Et donc ça m'a vraiment édifiée, voilà, de lire 2 chapitres par jour. En fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est à la fois d'avoir un plan vraiment bien, comment dire, qui était bien fait. On a toujours 1 chapitre de l'Ancien, 1 chapitre du Nouveau. Et ces livres ne sont pas choisis au hasard parce que souvent, on repère des liens vraiment entre les 2 livres qui ont été choisis, qu'on lit dans le mois, donc c'est doublement édifiant. Le fait de le faire à 2 aussi, c'est très encourageant, ça m'a vraiment aidée. En plus, on pouvait en discuter ensemble, on pouvait prier ensemble autour de ce temps de lecture biblique. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment, vous aussi, même si ça peut faire un peu peur, 3 ans, à commander ces plans, surtout qu'ils ne sont pas chers. Voilà, c'est 1 € pour une année. Donc on a les 3 années qui sont arrivées, donc bah, je vous encourage à commander les 3. Donc on a 25 exemplaires en stock, donc on a un stock assez limité. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à venir me voir, voilà, pour qu'on puisse, je puisse vous les vendre, tout simplement. Voilà, ben, je vous remercie de votre intention et puis ben, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, la jeunesse, donc avec le témoignage de Siam aussi, samedi à 17h. Et on peut regarder son voisin en lui disant « Sois béni, soyez béni, bon retour à chacun, amen !» Merci à vous.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.